Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des astuces historiques de l'atelier. Cette semaine, on s'attaque à une marque américaine dont l'histoire est maintenant liée à Black & Decker, dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente. Cette semaine, on va s'attaquer à Stanley. Tout commence avec la création de Captain America. Non, attends. On va parler de Stanley, qui est une marque d'outillage. Eh oui. Est-ce qu'on garde la blague ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on garde le fait que je dis qu'on garde la blague? Tu vois, c'est un peu méta et tout ça. Hein. C'est... Oh là 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 là. Cette semaine encore, je tiens à remercier notre... on peut dire partenaire, je crois qu'on peut le dire. Tournevis, qui, encore une fois, nous prête des outils pour réaliser le décor de cette vidéo. Tournevis, c'est un projet bruxellois qui vous permet de louer, d'emprunter, en fait, des outillages. Et il vous propose aussi un atelier dans lequel vous pouvez aller travailler et réaliser des projets personnels. Je pense que c'est une chouette manière de pouvoir avoir de l'outillage de qualité si vous n'en avez pas besoin à long terme. Je trouve que le projet est vraiment hyper intéressant. Ça se trouve sur Bruxelles. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page Facebook et sur leur site internet, dont les liens sont dans la description. Voilà, merci à eux encore une fois de nous avoir prêté ces outils. J'espère qu'on pourra collaborer pour d'autres vidéos. Donc c'est parti. C'est parti pour Stanley. Tout commence en 1843 lorsque Frédéric Stanley ouvre à New Britain une quincaillerie dans laquelle il va vendre des boulons, des écrous et de la quincaillerie tout simplement. Un petit peu comme nos amis Black & Decker quelques années après, en 1910. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur Black & Decker. Il faudra attendre 1853 pour la création de l'entreprise Stanley Work et la fabrication des premiers outils manuels. Et en 1857 avec la création du premier niveau à bulles Stanley. En 1860, Stanley va créer une petite révolution en passant du rabot en bois au rabot en métal. Le rabot en bois peut s'abîmer assez rapidement au niveau de la semelle. L'avantage du rabot en métal, c'est d'éviter d'éviter ça, tout simplement, et en plus d'éviter les déformations. Puisque le rabot en bois a plus facilement tendance à bouger, que ce soit avec l'humidité, la chaleur, le froid, etc., etc., le rabot en métal, malgré que le métal bouge quand même avec les différences de température, son mouvement est quand même beaucoup plus faible, et l'idée d'un rabot, c'est d'avoir une semelle bien bien lisse, c'est quand même plus précis de travailler avec un rabot métallique. Ouais, c'est pas faux. C'est pourquoi, en 1869, Stanley va racheter la marque Bailey pour pouvoir tout simplement sortir ses rabots sous le nom de Bailey. Sérieux ? Bailey, en fait, ce sont des rabots qui ont été inventés en 1867 par Leonard Bailey. C'est pour ça que Stanley, en fait, va racheter la marque Bailey, tout simplement pour pouvoir utiliser ce design de rabot qui était, à l'époque, plutôt révolutionnaire. Si ça vous intéresse, on pourrait en fait faire une vidéo spéciale sur les rabots, puisqu'il y a quand même toute une histoire, un peu comme les foreuses tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo spéciale sur les rabots. Tout ça, un petit peu comme la vidéo qui est juste là, sur laquelle on parlait des foreuses et de l'histoire de la foreuse. Revenons à l'histoire de Stanley, puisqu'en 1870, ils vont inventer leur premier tournevis. Évidemment des tournevis plats, puisque à l'époque les vis ont des têtes fendues. Il faudra attendre un petit peu avant d'avoir l'invention des têtes en croix. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur les visseuses, les foreuses. En 1920, Stanley Work va fusionner avec Stanley Rules, qui est une branche de Stanley qui a été fondée par le cousin de Frédéric et qui était spécialisée, comme son nom l'indique, dans les instruments de mesure, les mètres, les niveaux, etc., etc. En 1920, on va donc avoir une fusion de ces deux entreprises et c'est comme ça qu'en 1931, Stanley va sortir le premier ruban à mesurer en acier. Il faut savoir que ce n'est pas Stanley qui va inventer le mètre ruban, mais un certain Hirans Ferrans en 1922. Mais très vite, Stanley va s'intéresser à cette nouvelle technologie et va lui apporter énormément d'améliorations. C'est pour ça qu'on va retenir surtout que c'est Stanley qui va créer le mètre ruban comme on le connaît actuellement. Ferrans viendra même travailler chez Stanley à partir de 1931 pour continuer à développer son invention du mètre ruban. En 1936, Stanley sort le premier couteau universel et va ensuite continuer à améliorer d'autres outils, à créer des outils à main, etc., etc., jusqu'à arriver en 1963 où Stanley va construire la plus grande usine d'outils à main au monde à New Britain, en Nouvelle-Britannie.
C'est aussi à cette époque que Stanley va présenter le fameux maître ruban Power Lock, qui est le premier avec un système d'arrêt, qui est finalement vraiment le maître ruban comme on le connaît maintenant, un maître ruban enroulé qui permet d'être arrêté à des distances bien précises. D'ailleurs, pendant toutes ces années, Stanley ne va pas arrêter de racheter des entreprises pour renforcer sa connaissance dans l'outillage et agrandir son empire. Par exemple, Bostitch, hein, pour tout ce qui est agrafeuse et système de cloueur, en 1986, MacTool en 1980, mais aussi Facom en 2006. Et encore là, je vous en passe toute une tripotée parce que vraiment la liste est très très longue. On va donc continuer l'histoire de Stanley puisqu'en 2008, ils ressortent de leur placard les fameux rabots. Il faut dire que pendant toute une période, les outils à main ont été plutôt mal vus puisqu'on essayait de partir le plus possible vers des outils mécaniques, des outils électriques, etc. etc. Mais dernièrement, les outils à main ont un peu eu un retour puisqu'on revient à quelque chose de plus écologique, de moins bruyant, de plus, plus proche du bois. Et donc Stanley a senti le vent tourner et s'est dit que c'était l'occasion de ressortir des outillages à main. Et donc ils sont revenus avec leur fameux rabot, qui était quand même plutôt reconnu à l'époque. C'était l'occasion un petit peu de revenir sur le devant de la scène avec des nouveaux rabots. En 2010, il arrive un truc plutôt intéressant puisqu'ils vont fusionner avec Black & Decker. On en avait déjà parlé justement dans la vidéo sur Black & Decker, donc c'est à ce moment-là que leur destin va fusionner. Ils avaient commencé à peu près de la même manière, avec une dizaine d'années d'intervalle. Finalement, ils se sont rattrapés tous les deux et ont fusionné. Aujourd'hui, Stanley fait donc partie de l'énorme groupe Stanley Black & Decker, comme son nom peut légèrement le laisser supposer. Cette marque, elle regroupe énormément de marques dans plein de secteurs différents. Dans le secteur de l'outillage, elle regroupe par exemple Stanley, Bostitch, Black & Decker, Craftsman, DeWalt aussi évidemment, on en avait aussi parlé dans la vidéo sur DeWalt, et plein d'autres, je vous laisse aller voir sur le Wikipédia, il y a toute la liste. Voilà qui finit donc notre tour d'horizon de l'histoire de Stanley. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses sur cette marque. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous utilisez de l'outillage Stanley, si vous avez des anciens outils, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des photos, ça peut toujours être cool si vous avez de l'outillage un peu vintage. Vous dire ce que vous pensez de l'outillage Stanley, est-ce que vous sentez qu'il y a eu une évolution entre les premiers et les outils actuels. N'hésitez pas non plus à nous dire dans les commentaires si vous avez des marques en particulier dont vous voulez qu'on parle. On n'hésitera pas à en parler dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, tout simplement pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis pour agrandir la communauté. Vous êtes les bienvenus, les Ateliers Ross. Bienvenue. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et à aller potentiellement faire un tour sur notre chaîne Twitch. Si jamais on y est, on ne sait pas. Je tiens encore une fois à remercier notre partenaire pour cette vidéo Tournevis. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a les liens pour leur page Facebook et leur site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis tchuss les Ateliers Ross. Oh, il faut se décider, hein. Il a juste bougé.